un patient qui est dans une salle là que vous suivez en quelque sorte, sous des troubles qui ont des troubles de l'humeur, qui fait des attaques paniques. Donc, il y a des applications, si par exemple, patient en sommeil, pour surveiller et contrôler le réveil et tout ça. Pour surveiller si le bon action l'a fait pendant que vous quittez la chambre pour moi. Donc, c'est des avantages que la technologie offre à la santé mentale. Là. Internaute entretien 2000, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure regarder vidéo ça. Alors semaine ça c'est avec un pile plaisir nous entre la caillou pour nous porter pour un nouvel épisode ça et merci pour fidélité ou pour intérêt ou surtout attachement avec Chanel prédilection là. Alors semaine ça on a bien chance pour nous parler de technologie et santé mentale. Nous allons essayer ouais qui sa technologie et qui sa santé mentale, qui incidence technologique capable bien sur santé mentale, qui liaison qui gagne entre santé mentale et la technologie. Alors pour aborder sujet ça ce matin, on a pris ensemble avec nous Emmanuel Kwame, qui est psychologue, qui est président à l'OPSI Haïti. Avec lui, nous allons aborder la technologie et la santé mentale. Juste avant de recevoir notre invité, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez déjà l'idée. Alors, nous vivons entre la carte ce matin, c'est grâce avec NPI Formation Professionnelle, une pour l'école et professionnelle qui vient sur le marché. Pour réclamer boost pour la demi boost pour la NPI formation professionnelle, tapez Kounia 31 32 68 82 pour une chance pour capable étudier hôtellerie, cuisine, pâtisserie, etc. Et nous vivons la car aujourd'hui à tout grâce à Haut Design et CP Photographie. Alors madame, monsieur, ensemble nous allons recevoir psychologue Emmanuel Kwame. C'est un plaisir pour nous avec nous. Je salue tous les internautes qui toujours suivent et qui étaient connectés avec Entretien 2000. Et je salue tout le monde qui a fait entretien avec moi. Je salue tout le staff à l'OPSI Haïti et le staff moi de santé mentale là, qui fait que nous là aujourd'hui pour nous poser. Alors, nous-mêmes, dans le staff, nous avons décidé de déclarer, de décréter le mois octobre comme étant mois santé mentale. Côté nous sortir avec qui activité ça? En fait, moi de santé mentale lancé en quelque sorte, yon l'idée qui vini après nous vinn rendre compte que moi d'octobre toujours gagné yon journée depuis 27 ans déjà. À chaque jour 10 octobre dans chaque année, c'est toujours journée internationale santé mentale. Donc nous rendre compte que majorité acteurs qui travaillent dans le domaine santé mentale en Haïti, yo souvent fait une activité dans grande joie seulement. Ça qui vient faire qui ça? Ça qui fait que pas vraiment gagner une décentralisation de l'activité ça qui souvent concentré dans votre presse. Donc nous même pour essayer aller autrement et pour essayer ouvrir psychologie à plus vers public là, nous décrétons mois d'octobre la net comme mois de santé mentale en collaboration avec la psychologue et professeure Tamara George et le département de psychologie de la faculté de technologie. Alors, et nous-mêmes, nous décrétons le mois d'octobre comme le mois santé mentale et entretien 2000 remet activité à remet initiative. Là, c'est dans l'optique ça que nous l'ajoutons tout. Pour nous parler surtout sur la santé mentale et la technologie. Mais juste avant de nous prendre la technologie, on essaie de voir qui est la santé mentale là. Santé mentale, là, c'est un état de bien-être. Si nous avons dit son état de bien-être complet, je me dis bien-être complet, il prend physique, il prend mental, il prend social. Donc, ça, c'est une définition que OMS. BAI, qui c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, qui prend santé physique et santé mentale, c'est la définition que le BAI de santé mentale. Donc pour lui, santé mentale là, c'est un état de bien-être côté où on a accord avec tête ou, où on a accord avec physique ou corps ou, et où on a accord avec environnement ou avec monde qui est dans l'entourage. Donc pour lui, c'est pas seulement l'on pas malade, l'on pas une maladie physique ou pas une bonne santé mentale, mais c'est leur toute bagaille ça est bien agencé et de commun accord, c'est leur sont capable parler de bonne santé mentale. Alors pour être notre nous capable comprendre bien ou capable normal là physiquement ou pas souffrir pathologie physique à permettre de coucher et puis ou malade. Exactement. Donc dans la mesure où trois structures ça qui font des êtres ou qui font des ou même qui constituent ou même comme individu. Dans la mesure où on pas arriver agencé yo. Donc là, il y a un problème de santé mentale. Monsieur Kwame, 1, 2, 3, 4, qui est capable d'impacter la santé mentale? Il y a un pile de choses qui sont capables d'impacter la santé mentale.
gen relasyon ki ou devlopè ak tèt ou, gen jan wè tèt ou, gen rezo, an fèt environman ou ki jan liye ki liyen ou gen avèk moun ki nan antouraj ou, gen de dèy ki fèk on moun ou perdi yon et ki chè pou ou, gen separasyon, gen on ansanble faktor lwa pe se fè tout bagay an sèl pou ou, gen pran tout responsabilite ou, tout sak vini ou vle pran remete sou do ou, ou pense que ou gen solution à tout problème. Donc ensemble pareil ça ou ka vinn conditionner la fa ou des problèmes de santé mentale et ou capable affecter santé mentale ou de manière négative. Donc on ta malade dans corps physique par exemple mais il en bonne santé mentale. Ça veut dire ça, li pa kite problème somatique là influencer psychique là. Est-ce que là? Donc ça qui vinn veut dire ki ça, ça qui veut dire que en fait c'est capacité pour accepter situation là mais pour arranger ou de manière à ce que ou vive avec. OK. Alors, bon question m'a posé, mais on pose question ça avant poser lui. Nous venons là pour parler de technologie et santé mentale qui incidence capable bien. On essaie ouais, non, dis-nous dis-nous notre technologie. Qui relation capable bien vraiment en technologie avec santé mentale? Technologie en li gagne deux composants là dans li. Li gagne un premier composant qui c'est ensemble de techniques et de outils que vous utilisez, ensemble machines qui permettent de déplacer. Donc, des outils qui permettent de faire travailler au plus facile. Tout ça qui allège la vie. Tout ça qui allège la vie, moun, en quelque sorte, c'est des outils technologiques. Mais il y a un deuxième sens, qui c'est un sens technique, qui vient pour voir avec nouvelles technologies, information et communication. Donc, c'est dans la deuxième partie, ça, nous-mêmes, nous y avons un entretien de 2000 jeudi, hein, qui fait que nous allons parler de technologie et de santé mentale. Donc, vous voulez dire que nous avons, en gros, qui ça, MTICO ou bien TICO, pour moun qui plus à jouer, capable et qui influence bien sur santé mentale. En fait, qui lien qui vient entre santé mentale et TICO? Lien yo en pile. Lien yo gen des facteurs qui positifs, qui pa capable de faire que lien d'eau à construire une bonne santé mentale, mais il y a des facteurs tout qui négatifs qui capable influencer santé mentale de manière négative. Donc bien avant que nous allions, on rappelait ensemble avantage que technologie, information et communication ça permet tout gagner. Donc il permet tout gagner un accès avec information yo plus rapide et plus facile. Il permet tout capable prendre des formations, il permet tout capable informer tout, il permet tout capable faire des échanges sociaux qui à distance, donc on pas obligé côté un frère ou bien une sœur pour gagner une nouvelle ligne. Yo permet en quelque sorte ou plus connecté avec entourage. Mais pendant le permet ou plus connecté, puisque son moyen de communication, li dérange dans façon que ou pral et j'aime pas dire ça, dans façon que ou pral tisser lien social yo tout parce que côté li primé relation sociale yo, li boycotter on l'autre côté tout distanciation et sociale là. Qui vient créer distanciation sociale en quelque sorte, ni pas venir d'un coup, mais il crée une distanciation physique qui vient remplacer présence physique là, par exemple, ou même qui t'a besoin vraiment maman ou autre fois t'a levé pour aller parce qu'on envie ouel, mais par le simple fait que vous avez un téléphone maman et que vous carrez l'île pour dire li bon maman comment y est comment levé matin, donc si la distance avec ça arrive pour faire une semaine deux semaines ou pas. Donc pour nous aller dans avantage, technologie avantage qui gagne pour santé mentale nous, c'est que li permet nous capable bien plus facile pour nous joindre aide le nous besoin. Donc peu importe côté où y a, peu importe dans situation où y a, donc puisque tout le monde a utilisé yo, donc li permet que plus facile nous capable joindre monde qui aide ou, li permet que plus facile ou capable joindre monde qui supporter l'on en situation. Donc un simple appel, un simple message qui fait que vous avez un bon réseau de soutien qui est énorme. Dans la psychologie particulièrement, vous utilisez la technologie pour créer des applications qui permettent de surveiller des patients. Un patient qui est dans une salle là, qui vous suivre en quelque sorte, sous des troubles qui ont des troubles de l'humeur, qui fait des attaques paniques. Donc il y a des applications si par exemple patient est en sommeil pour surveiller et contrôler le réveiller tout ça. Pour surveiller s'il y a une action à faire pendant que vous êtes dans la chambre pour moi. Donc c'est des avantages que technologie a pris à santé mentale là. Il permet tout gagner par exemple des applications de relaxation, de méditation qui c'est des facteurs qui font pour bien-être physique et bien-être mental. Donc il permet par ailleurs pour joindre des forums d'entraide. Donc autrefois, ou t'es qu'un problème là qu'a tracassé ou pas joindre monde pour partager lui, mais par le simple fait que qu'on y a là ou gagner un téléphone là ou aller sur Facebook sur une page où est qui marqué et côté gon coach qui attend des monde ou bien qui partager conseil ou écrit en balle
li pran li pataje l pou ou jwenn plusieurs moun ki swa nan menm situation avò, swa te viv situation nan par le passé, swa ki ap travèse menm situation an men ki te bezwen pale tout, ki fè échange, sa ede ou rekonforte ou, li ede ou santi ou byen, et li ede ou mye viv situation. Donc, li permèt en plus de sa nou kapab gen de konsultasyon an li, par exemple an psikoloji kounya Association Américaine de Psychologie parle de télépsychologie qui c'est une pratique qui vient très populaire surtout avec la crise coronavirus là. Donc on vient gagner des patients qui capable seulement à travers laptop ou bien à travers téléphone ou à travers tablette yo, yo capable utiliser un réseau de confiance par exemple Skype pour prendre des rendez-vous avec un clinique de psychologie pour prendre rendez-vous avec un cabinet de psychologie pour capable gagner des consultations en ligne et gagner des suivis qui fait à distance. Donc, tout ça, c'est ensemble avantage que la technologie apporte pour la santé mentale. Alors, souligner avantage, normalement, on a commencé avec peut-être méfait que la technologie a bien sur la santé mentale. Mais, il y a des gens qui disent tout, est-ce que, ou plus, on met accent sur avantage, mais il y a des gens qui disent tout, est-ce que le fait que les gens qui ont un TIC dans le monde, par exemple, yon téléphone, li addicté avec, li akou avec. Et nous connaissons la psychologie, du moins, que yon moun addicté akou, li vin yon sorte de problème ou du moins, yon problème de santé mentale. Est-ce que nous pas mettez accent sur l'aspect ça ou dans la santé mentale avec la psychologie? C'est importantissime question là, et vous remercie pour la question, parce que vous allez demain quelque sorte rentrer dans la partie que vous allez prendre tout de suite après avantage, qui c'est désavantage. Parce que tout le côté qui a un avantage, gagne tout en l'autre bord, désavantage. Donc, gagner dans cadre avantage avec des avantages, gagner deux concepts en psychologie. Premièrement, c'est la nomophobie, qui c'est la peur d'être séparé de son téléphone ou de son device, si on peut dire comme ça, parce que il inclut laptop, parce que il y a monde qui a pour regarder série, il inclut tablette, il inclut téléphone. Donc, la nomophobie c'est en quelque sorte on crée ultime que moun nan genye pou pa séparé le téléphone ni pendant un petit temps. Donc moun sa ka passé ni ka te kon travail personnel pou fè la, li kite tout temps pou li fè travail lan, li pa fè li pou li kapab communiquer avec moun sur internet la ou bien pou li ka al vérifier par exemple li tap suivi une page, li tap tan non bagay, pou li ka al vérifier si li pa gen message, si pa gen moun ki écrit. Donc moun sa wap wè li gen moins engouement pou rapport physique. Parce que pour commander moun sa ka tellement zanmi ou nan téléphone ou mande pou wè avèl, li di non pa envie sorti. Par contre, li a lèz pou fon jounen kouche sou yon kabann avec un téléphone nan men la pale ou bien fon jounen kouche sou yon laptop et sou yon kabann avec un laptop la gade. Donc, technologie a renforcé sa nourri les solitudes la certaine fois. En fait, li aide ou combattre solitude la d'une part, mais li diminue en quelque sorte lien social yo. Lien social physique yo sin dakat sa, parce que est-ce que ça pas représente un danger pour santé mentale les en monde comme si lien social yo li diminue la dedans l'en considérer et impact lien social capable bien pour améliorer la vie en monde et même tout capable détruire la vie en monde tout en quelque sorte. En fait c'est exact. Donc quand gagne des monde par exemple qui connait dans une situation côté que monde ça li te gen 2 3 4 zanmi li kon close avec ou parler avec ou nan téléphone, donc li pa vraiment gen zanmi physique, zanmi dans le social. Et le moun sa vin tan nan situation par exemple téléphone li perdu ou bien téléphone li en panne ou bien li on kote li pa ka jwenn internet, moun sa ka même fait des crises de panique parce que li pa tolérer c'est la nomophobie et expliquer nous ça. Li pa tolérer le fait que li pa senti li à l'aise pour pa gen téléphone nan men la. Et ça va le voir nous dans l'autre concept qui c'est FOMO. FOMO c'est qui ça? FOMO c'est la peur de manquer quelque chose. C'est Fear of Missing Out. Donc c'est un concept anglais qui traduit par peur moun nan gagner pour pas manquer un bagage. Donc c'est comme quoi à l'Opsi Haïti qui gagne des pensées que li partager sur page Facebook et Instagram chaque matin. Donc c'est comme quoi moun ça qui sont abonnés de à l'Opsi qui a veillé citation ça et puis pendant la station à 7h du matin, téléphone ni décharge ou bien signal l'en tombé. Donc moun sa ka senti dérangé dans dernier niveau pour ki ça parce qu'il pa vle manquer citation en matin. Donc moun sa konn haïtien c'est en pile nan nou addicté à cause des feuilletons surtout moun qui utilise internet fréquent. Donc ou ka wè moun sa li te gon feuilleton yo di li a bay li a 4h
L'heure 3 heures, Coco bail courant pour charger téléphone pour la sur feuilleton, il sentit dérangé. Le monde ça dérangé tout, est-ce que nous mesurer et impact que ça a bien sur communauté par exemple, mon n'a rien fait on regarder, il pas arriver regarder et puis et un monde vient parler avec lui, humeur lui tout changer. Donc nous capable considérer ça tout comme mes avantages que technologie a gain sur sentimental, n'est-ce pas vrai? En fait, tout ça yo rentré dans des avantages. Donc le monde ça a connu les vini dans situation côté dit pas gagner accès avec ensemble activité ça yo. Donc ça cal impacter lien li gagner avec moun yo dans espace côté la pub là. Donc si c'est pas un monde qui pour compte li par exemple, ça qu'arrivé li même à mari la madame ni avec maman là avec petite li, li vinn un problème de communication. Donc après moun ça li gitan faut pas oublier tout les troubles de l'humeur yo affecter rapport gagner avec moun ki nan environnement. Donc on a automatiquement que moun ça dérangé. Ou pralwe que si ou contacte li ou di ah monsieur Lucius vini me parler autant pri mais tel service n'ta rien que rendre moi ou après automatiquement ça te gantan déranger en fait c'est pour moun ki fait un bagay mais par le simple fait que ou pa joine téléphone ça ou dicté avec là sans tout déranger donc automatiquement ou vini sans aucun problème et là ou ka di mon cher pa occupe et pa nuit me tande déjà gen problème moi déjà donc le ça ou déverser et problème ça trouble de l'humeur ça problème d'humeur et angoisse de situation ça qui sont concepts en psychologie qui expliquer ça donc ou automatiquement transférer vers monde ça et qui traduit par une réaction négative. Vous êtes jeune et vous cherchez une école professionnelle, une école à nul autre pareil, une école de qualité, une école qui assurera votre formation et qui vous permettra de vous lancer sur le marché du travail. NPI, une école en formation professionnelle, répond à toutes ces questions, tout en vous donnant ses options suivantes. Cosmétologie, cuisine, pâtisserie en 12 mois, bar-resto, réception, housekeeping, chimie industrielle en 6 mois, carrelage en 4 mois, informatique, dépannage, hôtellerie et couture. Alors jeunes, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? La NPI vous dit, n'attendez plus demain pour faire de votre passion une réalité. Situé au numéro 48, impasse Arnaud Walker, à Pétionville, au local Collège Roulin, NPI vous donne tout. Numéro de contact, 31 32 68 82. Souvent l'autre bord, ensemble activité ça autour, technologie, information et communication, ils ont affecté l'estime de soi à mon. Ou après au monde par exemple, de nos jours, le monde n'a l'église, en fait, les plutôt pas marché avec Bible, mais les marché avec téléphone. Et le pire, le monde le code biblique, ils ont tout le téléphone. Donc, c'est une autre forme d'addiction encore. Donc, si mon n'était créé un temps pour téléphone, un temps pour lire, il a toujours continué à utiliser la Bible. Mais par le simple fait que les conseillers téléphone n'ont qu'à faire toute bagarre pour lui, donc on a besoin de Bible sur téléphone, de lire un livre sur téléphone, li. Donc même lorsqu'il prend un temps pour lire, il tourne le téléphone encore pour lire sur téléphone, nan, parce que pour lui-même, téléphone n'a qu'à utiliser pour faire toute bagarre ça. Est-ce que là? Donc ça va l'affecter en quelque sorte estime de soi mon ça dans quel sens? Pas bien estime de soi c'est gens mon nan ouais tête li. Et c'est qui gens mon ça va valoriser tête li, parce que c'est en fonction des gens ou même ouais tête tout ou va projeter image ça par l'autre monde qui dans entourage. Donc là qu'on y a la monde ça par exemple il t'allait que un dimanche matin ou il t'a non fête ou bien t'a invité dans mariage de monsieur Lucius. Le rive qu'on y a là, il te font belle petite photo, une belle selfie, ou on aime, et on y aurait mes selfies en pile. Il te font belle selfie, et puis. Monsieur que mesdames, vous aimez ça dire. Exactement. Bon, bah, je l'ai dit, mesdames, directement, parce qu'on est là, mes selfies en pile. Donc. Notre profiter de saluer, c'est. Profiter de saluer, Jean-Ricardo, c'est notre responsable d'intervention, notre voilà. Directeur d'intervention à Alex Sky. Donc, le qu'on y a là, mon sal, il peut lire photo. Ou après, chaque 5 secondes, 10 secondes, la vérifier WhatsApp li, la vérifier statut, la vérifier Facebook li pour voir, la vérifier Instagram li pour voir combien like li gen, combien moun ki gade statut la. Et la tann tout que les moun nan gade statut, moun nan écrit li pour dire ah, ou cute ou belle, la tann que moun prend photo a pour le mettre sur statut pour le dire zanmi m te belle jodi a, ma tante mwen te belle jodi a, par contre sou konprann. Donc, est-ce que nous avons commencé à arriver dans un niveau côté que la technologie a tellement impacté sentimental là, pour vraiment définir qui va arriver? En fait, oui, il y a gardé tout le concept. Comment vous l'avez dicté? Hier soir, je regardé un livre sur ça. En fait, non, auteur a échappé, je ne sais pas.
Et hier soir, m'a regardé un livre pour ça, c'est la guerre des intelligences. Donc, la guerre des intelligences, l'auteur a montré que d'ici 2050, il n'est pas vraiment connu qui j'ai en relation moun avec technologie pralier parce que tellement intelligence artificielle là a pas avancé. Donc ça va venir de mon côté ou parler d'ici 2050, il est possible pour même professeur va gagner pour venir dispenser cours en présentiel. Pas gain, voilà, pas gain professeur dans salle de classe encore. Il quand même vient tellement aller loin que et auteur a expliqué que ça va arriver, il a tout fait des modifications neuronales qui vous permettre que ti moun ça li tout ap pour l'intégrer suivre formation yo jan moun glan ap vini pour le faire. Donc c'est des bagages qui va aller loin hein, que nous même nous pas même ka prédit et même penser même comme ça. Technologie a un ensemble d'autres facteurs encore li affecté, c'est que jan t'ap dit déjà li créer une sorte de retrait social la carré. Il fait que ou pas proche avec ou ka ou bon frère ou là nous tous deux nous dans ka ensemble mais nous fait journée hein, yo ne pas parler l'autre. Par contre nous même côté li nan téléphone ni ou nan téléphone li nan laptop li ou nan laptop. Donc nous même côté c'est vrai ou ka connecté à un monde qui juste les iwa un monde qui juste parien côté me sorti que m'a profité saluer internet parien yo qui en quelque sorte pas et monde qui bo côté là tout pour là pas jamais parler avec lui matin. Par contre on parle à un monde qui bien loin. Est-ce que là? Donc li créer une sorte d'isolement là carré. Et c'est isolement ça que ça fait j'aime dire tout à l'heure. Si jamais tu as vu mon problème, il va impacter la vie ou puis devant, il va faire que tu sens tout seul, il va faire que tu vas gagner l'autre problème qu'on a à vos amis présentiels parce que tu vas dans une situation pour des téléphones ça qui te servent deux amis, hein, téléphone ça qui te permet de tisser lien ou pas gagner pour utiliser dans moment ça. Et il créer la caille mesdames yo surtout un idéal de l'image corporelle. Nous joindre ça la caille mesdames yo surtout cap suivre des monde qui dans et sphère mannequinat, des monde qui dans sphère célébrité yo. Donc c'est un ensemble de monde qui gagne une image corporelle, qui gagne une image de soi, qui gon grosseur yo besoin gagner, yo besoin kembe. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire gagne un ensemble de jeunes filles qui atteignent de une maladie qui aurait l'anorexie mentale. Et anorexie mentale là c'est ça? C'est un trouble de l'alimentation qui fait que monde ça il pas veut manger. En fait, il pas voulu manger pour deux raisons, parce que il pas voulu prendre poids, mais il pas voulu manger tout parce que le li gade le nan miroir, li wèl trop gros. Donc une image qui illustre et cause ça très bien, c'est là où même on gade moun nan wèl gros, c'est pour être moins déjà pas gros déjà hein. Et puis malgré tout, le wèl le montre moun ça k'ap gade tête li nan miroir, li wèl mais gros. Donc ça vient fait ça, c'est des moun k'ap chercher sembler à une célébrité. Donc qui vient tout créer un problème pour tête parce que yo pas manger, yo pas consommer suffisamment ou bien y a contrôler pour pas prendre poids, yo toujours en crainte, yo pas venir dire pour toujours sentir trop gros en réalité. Donc tout ça c'est des facteurs qui capable influencer santé mentale monde sans compter cause des fake news qui toujours à plaguer sur réseau yo. Donc ou carré ton bonjour là, ou tomber son photo monsieur Lucéis, photo joine ou mourir. Donc ça ne doit pas affecter ou même c'est ou jeune photo ou rendre compte ou pas mourir mais là pas affecter en famille ou en proche qui pas connaît qui ont info qui dit que mourir. Est-ce que là donc ensemble de comment dire harcèlement tout yo utiliser technologie pour faire harcèlement. Donc quand gen moun par exemple t'a pris une photo ba un proche ou ba un monde intime et puis c'est pas moun ça là jeune l'autre monde et moun ça ka utiliser photo ça ou bien vidéo ça pour le faire chantage avec lui pour menacer ou donc ça aurait les violences psychologiques là pour le faire sur ou pour le capable joindre des avantages soit économiques ou bien physiques parce que lui quand même mando pour partager intimité ou avec pour empêcher que les divulguer information secrète ça avait lien donc et gadget yo là yo gain utilité yo de même yo gain méfait autour yo pas seulement gain méfait au du point de vue matériel mais méfait psychologique et aussi élaborer ensemble avec nous sur montrer internet comment TIC est capable d'impacter sur la vie courante. Yo yon moun ki ta yon bonjour ta monté sur réseaux sociaux par exemple Facebook ou bien bon on prend Facebook seulement parce que li plus utilisé certaines fois pour faire genre d'activité moun nan wè photo et ou bien en vidéo sur les réseaux sociaux côté a dénigrer qui comportement ta de gagner pour capable gérer santé mentale. C'est pas des situations qui facile à vivre. Le problème c'est pas des situations qui facile à vivre. C'est parce que ou pas t'attendre à ça. Et pour le moment, automatiquement tomber sous l'IA ou sous choc.
est sous là. Donc si vous sous choc, une premier barre au café c'est prendre retrait. Parce que tout autant pas comprendre ça convient, est toujours mieux que vous pas réagir. Est-ce que là? Donc automatiquement monter ouais, vous mettez photo monsieur Emmanuel, il dit bon, citoyen ça, la marché prend l'argent dans même monde, la marché fait si la marché fait ça. Et puis boum, vous prend détail là, vous commencez sans vous déranger. Mais quand il y a une fois que ou même quand il y a là ou aller ou poser sans ou garder qui côté information sorti, sous pas qu'il y a une source li essayer remonter peut-être à dernier monde ou bien premier monde ou publier là, vous capable essayer comprendre en fait si on fait ça sous moi dans un niveau, c'est qui niveau de dérangement que ça a gagné ni même. Est-ce que là? Et si qu'on y a là au senti pour contre ou pas qu'à gérer ça, li mieux que reler des amis ou connait qui ca aider ou. Et si jamais on pas des amis proches parce que technologie a été tellement gain en faire ou primer solitude là côté que ou t'es isolé avec des monde socialement, donc qu'on y a là ou capable ou un psychologue ou un professionnel santé mentale et comme ça capable mieux aider ou gérer situation. Alors il y a un psychologue ou parler avec proche aussi toutefois gain pour aider gérer situation ça parce que souvent pas facile pour moun yo et surtout laisser proche qui ont information ça avant qui relate le baio comme étant conseil ou baio si gain l'autre conseil clé ou bay tout internaute yo cap tande nous la sous question santé mentale impact qu'a bien sur comment capable mieux gérer santé mentale yo face avec technologie comment peut appréhender santé mentale comment peut appréhender technologie c'est comment le tapier c'est qui ça le tapier en fait. Une première barrière pour nous connait c'est que gain de moment faut qu'on définir des moments pour utiliser gadget. Gadget là, yo c'est pour vous. Ce qui t'elle fait 3 jours fermé, sous te mettez là 100% en fait point en série nèg pour la femme en train de bagarre, seul moyen pour gagner un gadget qui toujours était chargé, c'est pas jamais fait. Donc si vous quittez le pendant un petit temps ou pas servir avec, là toujours était même gens te gagner. Donc premièrement, c'est lorsqu'elle dormit par exemple, bah il était en discipline côté ou qu'a quitté téléphone non, non l'autre chambre pour rentrer ou elle dormit là où qu'on a un temps de sommeil et l'ont levé demain matin pour définir un lieu pour ouvrir téléphone ou un lieu pour faire même. En fait, sous pas bien habitude là, il pas toujours facile pour appliquer le deux. Mais on a commencé, ou commencé quitter dormir et non l'autre chambre, ou commencé faire même la 10h à 11h, ou commencé descendre à 9h jusqu'à ce que ou bien définir ça relé un temps d'écran. Et temps d'écran le dit que ça on est automatiquement fait 8 heures même si c'était et président toute et structure ou proche là qui et ou proche qui était besoin ou mais dans moment ça président vient nous demain matin parce qu'on était défini un temps d'écran l'heure arrivé ni l'heure pour aller côté. Et pour créer temps pour faire tout. Par exemple, ou ca pratiquer sport, ou ca sortir avec amis, ou ca faire promenade, ou ka essayer faire travail dans caillou ou capable li ou capable faire tout l'autre bagaille. On simple rappel m'pli faire pour nous pour finir ça fait comme garder caméra bien pour nous car moi en fait pas oublier que si ou déposer téléphone là ou bien laptop là ou bien tablette là on côté pendant un temps mode là continuer tourner. Si ou déposer téléphone là pendant un temps ou a gagner plus temps pour faire tout. Si ou déposer téléphone là pendant un petit temps ou a bail droit pour sou ou bay kou ou bay jè ou reti nou un petit temps bien mérité non mais on brille c'est sérieux parce que c'est des en fait c'est des atteintes physiques parce que nous dans cause psychologique mais c'est des atteintes physiques doit être pour se voir c'est lui plus utilisé nu kou parce que toujours à baisser et reti nou parce que c'est lui fixer écran téléphone. Donc si vous rive met téléphone dans un côté ça permet que sorti à joindre l'autre monde donc on pour retourner tisser lien social. Si vous mettez téléphone dans un côté zanmi ou famille, ménageur, mari, madame, ou yo pas oublier. Est-ce là? Et si vous mettez téléphone dans un côté, pas oublier que tout téléphone yo gen un bouton off. Sou ta oublier ça. Demain si Dieu veut, monsieur Emmanuel Kwame et président de la République, c'est qui premier problème ou t'a touché dans pays? Premier problème t'a touché dans pays, si rive président, c'est mettre l'ordre dans pays.
Eh oui, madame, monsieur, la boucle est bouclée. C'est un plaisir pour que nous entrions là aujourd'hui hein, pour nous porter pour un nouvel épisode. Ça, un épisode que nous avons parlé sur la technologie et la santé mentale. Nous espérons que l'épisode ça te fait plaisir et nous avons rendez-vous pour un autre épisode inédit d'entretien de l'année. Pas jamais oublié, l'émission ça a été possible grâce à NPI Formation Professionnelle, grâce à CP Photographie, grâce à Co-Design. Et déjà, si vous avez une idée, pas oublier liker la vidéo et pas oublier abonner tout. Si toutefois ou nouveau sur channel là. Bye bye.